Jean Vangou, Raymond Dozy, Yvan Kombo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapingaga Bambara Kachamba, Chérif Tijani, réveillons-nous, réveillons-nous, Vébora Mambou, réveillons-nous, Beloti Mavungu, petit sur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Agnès à Londres, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufouta, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalongi, Sœur Victorine Bouyamba, c'est un combat, ne nous fatiguons pas. Zola Chitala, Kenjoumou Kenji, le membre simple de l'UDPS, ne va pas se fatiguer. Zola Chitala est toujours là pour sensibiliser les Congolais. Cocorico, Zola Chitala, ça veut dire le coq, voilà. Doussama, il fait Cocorico pour que les Congolais puissent se réveiller. On est là pour sensibiliser. Alors, très rapidement, Bande Moulangaï, au sommaire du jamais vu, on va parler de suspension. On est en train de suspendre maintenant le système de redevabilité. Tu commets l'erreur à la porte. Tu commets une faute à la porte. C'est le deuxième terme du mandat du président Félix Tshisekedi. On ne badine plus. La redevabilité. Tu travailles mal à la porte. Tu remets ta maçon dans l'eau. Je vous avais parlé de Fayoulou. Je vous avais parlé de deux hypothèses. Évidemment, on va scruter la réalité et en tirer les conclusions politiques qui s'imposent. D'emblée, je vous dirai que Fayoulou est déjà dans la poche du président Félix Tshisekedi. Sauf imprévu. Fayoulou est déjà dans la poche du béton. C'est clair. On va vous parler de la zone économique. Je vous avais promis de parler de la zone économique. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a inauguré l'entreprise Pepsi. Voilà. On va parler de tout ça. Si on a le temps, on parlera des constructions en Mbujimayi. Alors, vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, monsieur Kenjoumou Kenji, au tien dans un groupe, au liker, au partager là-bas tout, au proposer Bandeko, bas s'abonner surtout à la chaîne Kenjoumou Kenji, membre simple de l'UDPS, et surtout au tien commentaire Nayo. Je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires de mes frères. Bon, excusez Ngaï. Laissez-moi nous toujours ma tanga. Donc, Bissoua en Angleterre, toujours ma tanga. Bah, Guy Kiese, bah, Blaise Genda, bah, Maza, tous à Libma, na ma tanga. Tout perdre de mon abisso, Baron William. Tout ça, up and down, pour na makambu, ya ma tanga wana, tout là. Alors, Bandekoumazé Bele, Bandekounangaï, moi, bah, tout, na, peut savoir comme Fino Ngaïba, Fino Ngiaba, alors, il y a un peu de temps qui dit Fimbu. Voilà. Finongiaba m'a surpris. Il est du Bandundu. Aza Mouta Bandundu. Mouta UDPS, Profachim et Mouta Bandundu. Mais lorsqu'il y a des constructions qui se font en Mbujimayi, il a été très content. Et à Diem Tatine Nenga vidéo, il a dit 15 ans, il m'a fait une série de ça à la tête. Mais il n'est pas de Mbujimayi. Il a cet esprit du Congo. En tout cas, merci beaucoup, mon frère Ngiaba, la pression beauté. Alors, Alcade Carpos, Alain Kabangou, la pression beauté. L'information que tu m'as donnée, il y a Arena, au Bazako Tonga, on doit vérifier. Il y a des manipulations, c'est belé. Intoxication et Zali et Bélé. Nazwa, image, on a tout vérifié, Batbala Kinshasa, ceux qui m'ont gambaré, ils ont kende, construction arena, ils ont kende, dengeni. Alors, Ngoingongo, il m'a fait rire, il m'a dit, une épaisse mobondo, bah, on s'est préparé, bah, il y a envahir permanence le 7 septembre. Alors, ceux qui te monitent, te rondimate, bah, le bindengoana. Alors, bah, au Kendekuna San Jekobeya, bah, au Kendekuna San Paul Chiloumbu. Donc, ils ont mawa. Claude Moutoka, tout ça, c'est la mine. Bon, le 7 septembre.
Alors le 7 septembre, si vous commis, si vous avez permanence, alors finis. Tout ce qui a été sur le roi, il est passé à ok. Donc, si vous avez focalisé, na bitumba ya souka, vous avez dit que vous avez bitumba ya souka, combat de coq. Le dernier combat de coq, ça sera le 7 septembre, comme prévu. Le camp des frondeurs, le camp des rebelles, il y a UDPS Mobondo, il y a ba Claude Moutoka, il y a ba Paul Kapita, Lusangangé, il y a traître wana nyonso wana tout balobi, na secrétaire général na bango ya Munyato, balobi ba okende ko s'imposer le 7 septembre, on attend. Mon frère Guy Kiesse, zala courage, ndeko akufi, to kunda ndeko. Alors André Makiesse, to solo la lobby, po. Tout ce que l'on sorry, pour la information pessingaï, tout a plané ma ongle la biso. Mon frère Joe Roy, mon frère, merci beaucoup. Merci. Bon, mon aki, dans notre ba, ba émission, dans ma ligne, YouTube, il y a un problème, il y a une ligne. Le titre et les images ne se font pas voir. Il y a un frère, par hasard, il m'a aidé à résoudre ce problème technique. Merci beaucoup, mon frère Joe Roy. Il est en Hollande. Il vit en Hollande, aux Pays-Bas. Tony Sala, la Pessimbote. Maman Cécile Loussamba, la Pessimbote. Jean-Louis Bissangui, là, je salue. Alors, Gabi Mwembo, je te salue, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Gabi, non, d'abord, Maman Gracia. Maman Gracia nous dit ceci. Il y a deux jeunes Congolais. Ils sont allés au Congo. Ma Pessimba, on registre le commerce. Ils amènent trois conteneurs à Kinshasa, dans leur business, et ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils sont commis dans le Congo, ils sont un mois sans suite, après le lobby, ils sont payés 20 000 dollars pour payer ça bino accord. Les enfants ont pleuré. Sous la conteneur, ils ont mis la poteau. Avec facilité, tranquillité, calme. Alors, il y a aussi mon frère Gabi Mwembo, parce que j'avais attaqué les avocats. C'était un avocat, c'était un juriste, un grand juriste au pays. Je te salue, mon frère Louise Mwembo, la pension beauté. Je te salue, ma soeur, elle est en Afrique du Sud. Alors, mon frère, il a d'abord souri. Qui a dit, heureusement que tu as tout compris, mon frère. Je ne pense pas que c'est son statut d'avocat qui a poussé le véreux Roli d'exiger l'argent à cet entrepreneur. Azande Moïbi Kaka, sans probité morale. Et dès lors, mettre les avocats dans un même sac que lui me paraît injuste. Voilà, tu as raison, mon frère. Vous l'avez rappelé, taquiné, yo. Je ne t'écoutais même pas, hein. Tu ne me laissais pas un même message. Quand je parlais des avocats, en tout cas, il fallait que tu puisses réagir. Je l'ai fait sciemment pour Olamoukwebi Kienjoumoukienji aime bien taquiner. Taquiner, j'aime bien taquiner les miens. Donc voilà. Alors, Raymond Dozi, il est en train de sensibiliser pour Monkeypox. Un peu de réflexion. Est-ce que la variole de singe existe? Alobi, oui, ça existe. Ça existait avant. Est-ce que la RDC est la source ou le pays le plus affecté à l'obélie sous-sous? Je crois aussi. Est-ce que c'est un virus? Et la plupart des virus n'ont pas de médicaments curatifs ou préventifs? Je crois que c'est oui. Enfin, est-ce que le vaccin est un moyen efficace contre le virus? Les médecins nous disent oui. À ça, les réflexions à haute voix et la partager la bino. Je crois que le musée Carlos, le médecin, ne va pas contredire. Voilà. Donc, amémine la réflexion, moko logique. Voilà. Donc, tout le monde a dit que le
Makambu Ekwe la bisote. Alors, il y a mon frère Joseph Kambala, que je salue, un grand intellectuel, quand il écrit des textes, en tout cas, pourtant un texte en haut, hein, au senti. Alors, mon frère, merci beaucoup. Il exhorte d'abord le Congolais, il exhorte les Congolais à la sensibilisation, la mobilisation, voilà, autour de Fatih, autour de la révolution. Il insiste, il dit qu'on doit marteler sur ça. C'est très important. Alors, vers la fin de son texte, il dit ceci. La recette pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire pour atteindre la victoire, pour tout ce qu'on a la victoire, repose dans la somme cumulée des ingrédients ci-après. Être méthodique, être patient, déterminé, cohérent, constant et patriote. Élément être méthodique, patient, déterminé, cohérent, consistant et patriote. Et à cela, d'ajouter le savoir. Voilà, le savoir au sukoyo, étayé dans le terre en termes d'intelligence, de culture, de connaissance de son environnement, capacité d'analyse des situations, esprit de synthèse, etc., etc., sans flatterie. Voilà. Donc, Boyoki. Merci beaucoup. Alors, il y a mon frère Gilbert Mputu, qui est au Canada. Maman Patricia, je te salue. Lui, il a beaucoup plus, aligné beaucoup plus à faire réfléchir à Congolais. Les Congolais sales de mauvaise qualité. Les gnossologues, les kabilistes et les katoumistes. Alobi, après les élections, la France n'a toujours pas de gouvernement. Si cette situation s'était produite en RDC, les gnossologues nous auraient expliqué qu'il y a un problème de leadership en RDC. Si vous bougez la paix, n'est pas en France. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie politique d'un pays. Voilà. Même en Angleterre, Et comment m'en rappeler? Voilà. Alors, je cause aussi avec ma soeur Joséphine Colomoni. Ma soeur Joséphine Colomoni qui est en Belgique. Je te salue, ma soeur. Elle a beaucoup plus exhorté les Congolais à développer l'amour. L'amour du prochain. L'amour du Congolais. Si tu n'as pas l'amour, tu ne feras rien. Ça ne sert à rien. Elle exige aussi, elle exhorte plutôt qu'on dégage les ondes positives. Totika négativité. Toujours aïe go simbate, autour de tout là. Non, soyons positifs. Et elle rappelle à tous les Congolais que tout est mérite. Les erreurs à tout la mouka na tongo, au sugara YouTube na yo, allez, et pas à Mitterrand, ya, au komo ganga, bonabo, fati beton, tout. Allez, après 2 ans, 3 ans, oh, je veux devenir ministre. Ah, toi, tu veux devenir ministre? Tu mérites ça vraiment? Tu mérites? Tu crois vraiment? Voilà. Etienne Tshisekedi, c'est le sphinx. Il est mort. Abundi combat, bunditi, akoufi, mais a commis présidenté. Parce que Yoso Sabitoumano n'a sur base de quoi? Donc, elle rappelle que tout est mérite. Alors, sur le président Félix Tshisekedi, elle dit ceci. Le président Félix Tshisekedi, son pouvoir, en fait, est spirituel. Ça rejoint l'idée de mon frère Didier Louaba de Manchester. Et elle dit ceci. Lorsque le président Félix Tshisekedi parle, fait une interview, essayez de vous situer dans une dimension spirituel pour bien saisir Félix Tshisekedi. Ce mot tikali kara la dimension oyo yabiso ya premier degré, tu vas rien comprendre. Matin la dimension spirituelle pour bien comprendre le président Félix Tshisekedi. C'est le conseil que notre maman Joséphine Colomoni donne au Congolais. Alors mes sousou bato bazo ganga ah Félix Tshisekedi ba UDPS ba bosani. Peuple d'abord au Etienne Tshisekedi à l'Obagi. Mais Etienne Tshisekedi lui-même de son vivant. Mais on a critiqué Bazo Fingaït. On a critiqué.
Si vous boni boni maloba na ya peuple d'abord pour mi ko lobela ngoli sous. Un simple constat amer des Congolais. Quand elle parle de l'amour, elle me dit que elle nous dit aux Congolais on, le fait le président Félix Tshisekedi nous enseigne beaucoup de choses. Selon qu'il y a une dimension car il y a premier degré pour comprendre le qu'il y a une dimension spirituelle. Il nous enseigne l'amour. Imaginez qu'il a nommé Constant Mutamba. Constant Mutamba, qu'il a copieusement insulté, humilié, ridiculisé dans les réseaux sociaux. Il y a des vidéos. Et le président Félix Tshisekedi a juillet a nommé vice-ministre été, a nommé ministre été, a nommé ministre d'État, a pécié en charge ministère régalien. C'est l'amour. Sur Rosa l'amour, t'es et aussi maté. Pati Tshindele, je te salue là où tu es, mon frère. Bana Congo, révolutionnaire Kolé Mwanza, Moïse Tabongo, la Pessibino, Mbote, Isika Bozali. Pour me prendre la biso, du jamais vu, au Congo. Vous vous rappelez à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, Batoubako, Salama, Benengeni, ba autorité, Bako, Salama, Bé, ya police, ya armée, ceux qui, bah, ministre, bah, Salima, Bé, tant. On suspendait les barreaux, on ne les punissait pas, il n'y avait pas d'enquête. C'est le premier point, la mission, tout le lobby, du jamais vu. Des autorités suspendues en cascade. Alors, suspendues. On a parlé du cas de Roli Tshibangu. Roli Tshibangu, un marché public, qui a exigé $50,000 à un jeune entrepreneur. À qui le président fait dire ce qu'il dit la présidence. Le président, l'autorité suprême, a sa pisa qui déjà autorisation spéciale. Il a bloqué. A dit, pisa $50,000. Sinon, t'es dossier au légaté. Zambala l'a raté. A télé, à ma génie, pe yamoyo. Maman, j'ai dit, tout loup, yewana, mbouzou na mbouzou, phare la phare. Et a fondillé. Bravo à l'entrepreneur. Je ne connais même pas le nom de ce jeune entrepreneur. Tout est bien. Alors, on vient d'apprendre que ce fameux. Cet avocat véreux, inconscient, vient d'être suspendu. Va suspendre hier. Donc, Nengazawana, Moussala et Koufi, hier, na minute Otozaliawa, va suspendre hier. Alors, il est suspendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Mama Julie Toulouka, la première ministre de Bissau et Sikoyo, quand elle entre en fonction, Amenika la directeur du cabinet naï. Tous les autres collaborateurs, ce sont les Batuya Samaloukonde, son prédécesseur. Nabaroli Tshibangu. Apparemment, le philosophe Douedou nous apprend que il aurait eu un autre nom. Azakina Kombo Moroboye et à l'ongoli Kombo ango, à Tshe Kombo Tshibangu. Ça reste à vérifier. Tu veux dire ça par réseaux sociaux ou quoi? Mais comme on a eu, tu veux dire, Roli, Tshibangu, Bouami. Alors, des mesures conservatoires ont été prises, étant donné qu'il faisait partie du cabinet sortant de Samaloukonde. Mais continuer à expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau cabinet. Yangwana Sikoyo, Baye, Ba. Suspendre d'abord, premier acte, c'était on l'a mis d'abord suspendu. Yé, Roli Tshibangu, pour la Makambu, pour passer la banquette facilement. Alors, on vient d'apprendre maintenant que une autre décision, alors la décision définitive a été prise. Balobi, Mama Julie Toulouka a décidé, voilà, attends là, assignation à domicile des membres du cabinet du premier ministre sortant Samaloukonde. Donc Mama Julie Toulouka a utilisé cabinet à Samaloukonde, sauf directeur du cabinet. Vous avez le sens, il y a simplicité. Vous avez le sens, il y a patriotisme. Il y a Mama Julie Toulouka. Vous avez le sens. Et ça fait que tant que commis premier ministre à Bengani, bato à Samaloukonde, il y a travaillé à Bino. Mais Bangoyo, 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 Bébé, ça. Roli Tshibangu a dit que le cabinet y a Samaloukonde a dit que $50,000 a fondu. Alors,
Un communiqué officiel signé par Luko Kindaya, directeur du cabinet du Premier ministre, a informé les membres du cabinet du Premier ministre sortant, Sama Lukonde, qui sont désormais soumis à signation à domicile jusqu'à nouvel ordre. Les gens qui disent Bosso, Nani, Olichibangu, Sikoyo, c'est tout le cabinet. Il y a Sama Lukonde, bah ici bah allez bye bye Bokendi, vous l'avez dit allez-y. Donc je crois que maman joue tout le cas. Elle a maintenant pratiquement trois mois depuis bah nommé. Elle travaille avec les anciens Batuya, Sama Lukonde. Vous avez mon sens de patriotisme, voilà. Bon, il faut puisque l'État c'est la continuité. Elle est là, donc normalement je crois dans son projet, elle avait peut-être planifié que non bon ok, je veux garder peut-être la moitié. N'a pas congédié la moitié, n'a regardé peut-être un groupe, mais Talabangoyoyo, il nage dans la corruption aveugle. Alors, donc, fini, terminé, bye bye. Bientôt, Mama Jutuka va engager ces gens. Alors, ça, c'est le premier point. Yaba Batouba Bengani. Deuxième point, c'est le dossier de Serge Tshibangu. Un autre Tshibangu, lui, il était chargé au commissaire et à chef de l'État, donc conseiller chef de l'État. En charge, il y a ba dossier, il y a Luanda, il y a Naya Nairobi. Alors, il a été révoqué. Évidemment, des Congolais, d'aucuns se posent des questions. Johnny Kamunga, je te salue, en Afrique du Sud. Pourquoi M. Serge Tshibangu a été révoqué? Alors, on ne sait pas, mais jusque-là, l'information que je détiens, je vais vous la Nazim Sabino, il est soupçonné. Même pas soupçonné, paraît-il qu'il a été convoqué par l'ANER. Serge Tshibangu, révoqué ce vendredi par le président Félix Tshisekedi, il a été enregistré à son insu. Un audio compromettant existe dans lequel il se montre très critique à la vision diplomatique. Il critique les conclusions de l'accord de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Et la diplomatie globale du chef de l'État. Il a été auditionné mercredi passé, à l'ANER, ce qui a conduit à sa révocation. Il est remplacé à ce poste de haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi par M. Sumbu Sita. Vous comprenez le message, Oisa? Donc, il a été enregistré parlant en mal. Donc, yo ba tche yo au représentant à chef de l'État pour na suivi. Y a ba résolution, y a Luanda. Donc, osa wana, ota la diplomatie à chef de l'État, tu es son conseiller et tu parles de mal, tu parles en mal du régime. Tu parles de bêtises, tu la donnes. Vous comprenez que non, on l'a enregistré. Il a été enregistré. Mais en réalité, c'est quoi, Bande Kondangana? Laisse-moi expliquer, Bino Makambo et Bélé. En réalité, c'est quoi? Bato, nous sommes au monde, à la nous, oh, président Sénat, président Assemblée nationale, président Soguinigne, oh, chef d'état-major général armée, ministre de la Défense, tous les officiels, Bande Kondangana, je parle sans gants, dans le bar, pour vous comprendre, pour vous banger, Makambo, je suis soutenu, bon, c'est Bino Talabo, Bache Samalou Konde, autre ils sont mis sur écoute. Yé, bazo yo gaye. Yo relega beton la maïel. Mona Sphinx, yo relega la maïel. Eux tous sont contrôlés par les services secrets. Je ne parle pas des services de sécurité, yamboka, au aner, au demiapte. Je parle des services secrets du président Félix Tshisekedi. Machimana la mounorote, vous écoutez bien. Service secret. Donc, ceux qui ont comploté dans le téléphone, ils ont comploté dans ma stratégie, bah, au kangayo, on va t'arrêter. Et ça qui nous guide, et ça technique kaka. Voilà, bravo. Alors, Mawa, Tourlobani. Troisième suspension. Ça vient maintenant de vice-premier ministre en charge de l'intérieur, c'est Jacquemin Chabani, il est de l'UDPS. Alors, il vient de suspendre, attends, je vais lire le communiqué,
Chabani Louko, le ministre de l'Intérieur, commandant de la police nationale, voilà, divisionnaire adjoint. Divisionnaire, commandant de la région nationale, tout et tout là. Donc, on a suspendu. Lors de la réunion du commandement de la police nationale, congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint et commandant de la Légion nationale d'intervention, Kabeya Tchani, ainsi que le commissaire provincial national congolaise de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire général Kilimba-Limba Blaise, sont suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire, en attendant les conclusions des enquêtes en cours, formellement tout et tout là. Donc, on a suspendu le commandant de la Légion nationale d'intervention, M. Kabeya Tchani, il va suspendre, le divisionnaire adjoint Kilimba-Limba Blaise, suspendu. Ces mesures préventives et conservatoires font suite aux actes pris par les deux officiers généraux de la police nationale qui ont impliqué la police nationale dans le déguerpissement des occupants de l'immeuble Kamoul, dossier Kamoul, Oyo, à force du progrès, à Kendaki, Bogaki police et Kendaki place Wana, donc, et des diplomates français dans la commune de la Gombe, dossier Kamoul et Zongi. Kilimba-Limba, suspendu. Monsieur chef Naye Kabeya Tchani, suspendu. Voilà. Dans le Banini, sur le Bakaka, bravo. Jacques-Aimé Chabani, ministre, il y a eu des pèses. Alors, Kilimba-Limba, l'Owe, Joël Kitenge, le poltron, Paul Mouyo, Kimi, aux en esprit, il y a eu des pèses, c'était. Talaban a eu des pèses, ma force du progrès. Oh, Kilimba-Limba Kangi, ba na prison. Yo Kimi, poule mouillé, un poltron, un peureux. Namounorokara à la télévision, mbanga, o Kimi. Alors, Kilimba-Limba, yo wana ba Kangi, et ba benga, ba longoli, zonga, et bimana yo, tout et tout là, voilà. Alors, maintenant, on doit se poser la question. Ba Kangi, ba suspendre, est-ce que quand le dossier a force du progrès? Et vous vous rappellerez, lorsque le général Kilimba-Limba Kendaki na force du progrès na Mbinza, l'ancien combattant na Mbinza, il a déchiré le drapeau de l'UDPS. Ministre intérieur peut monter l'UDPS. Yo on fout quoi. Tu vas résister? Voilà. Donc ça les lié. Voilà. Donc biso ya biso place wana toza kunate. Voilà. Toujours c'est la grave enquête et continue. Fayoulou, dossier Fayoulou. Maintenant, le second point, dossier, il y a Martin Fayoulou. Je vous ai dit, Fayoulou est dans la poche de Fatih Beto. N'explique pas Bino. Je vous avais donné deux scénarios. Si Fayoulou rentre au pays et que va bloquer, va déranger, meeting naïe, bain de foudre naïe, salamité, stratégie naïe et salamité, donc, il y a baraque. Demande à dialogue à Zosala, et ça sérieuse. Par contre, si il rentre au pays, tranquillement, la police le sécurise, à sa ben de foule naïe, à que c'est la meeting naïe, évidemment, il a choisi une petite place, évidemment, cellule de communication naïe, bah, ponika, bah, place au yo, je vous m'en dis, na, kingasel, eskaba, tu basala, kebele, il n'est pas au partager ma vidéo, ana. Mais, meeting avec nous, ça, là, on place, il m'aura 10 000 à Moukier. Nazo, c'est là. Ma vraie vidéo est bima. Ma vraie vidéo, Nazo, c'est parti, tchindele. Ton Luka, ma vraie vidéo, il y a carnaval, oh, motorisé, il y a ma faillu, la salle qui, de l'aéroport, tina lieu, il y a un meeting. Bon, mais la biso, ma vidéo, filmage, n'a n'a sima. Pour te comprendre ce qui est trucage, mais de toutes les façons, il a fait son meeting, il a fait
Et il a eu son bain de foule dans toute quiétude possible, dans tout le calme, dans la tranquillité la plus absolue. Alors, si on a deuxième hypothèse dans Aïna et Sakibino, Fayoul est dans la poche de béton. Alors, Boyoka, pour vous prendre Sabino qui était dans la tranquillité, il était sécurisé. Écoutez. Boyoki, pardon. Bogi, donc tranquillement, police a reçu la bino coco sauté. Vous allez bien rentrer à la maison. Voilà, il a été sécurisé par la police nationale. Yangwana, qui m'ont amené Boyoki bino mo na mato inaye. Kejo Mukendi, vous quand on m'a dit quand les grands hommes politiques parlent, vous devez être initié. Alors nous on suit les réactions. Fait ce qu'il dit donc en fait, ils avaient déjà discuté avec Fayoulou avant les élections. Quand Fayoulou a dit je vais pas déposer la candidature. Mais c'est quand il va discuter avec Guina Félix, ils ont eu un compromis. Avant les élections, il y a 2023 décembre. Ndiyamala Bomolaki Fayoulou a déposé candidature président. C'est Félix Tshisekedi qui lui avait dit de le faire. Et après ça, il est mongo. Puis ça, il est mongo. Didiane Tamba, ça, il est mongo. Robert Mukendi, je salue. Makobolai, Abraham Mukala, la Pessimbote. Aziz Sona, la Pessimbote, Tika Bozali. Pessimbote, Tika Bozali. Maman Immeuble Asuka, la Pessimbote. Vetoko Maurice, maman Jeannette Lelo, la Pessibino Mbote. Émission Oyo et Oléga, la radio UDPS Monde, il y a Papi Bisikita. Alors, j'ai rendu à Sabino Guino Fayoulou. Ils avaient déjà pris long avec le président Félix Tshisekedi avant les élections. J'ai rendu à Guino déposer candidature et Bapé Sakéi Mongo. Pour faire la campagne, pour à déposer candidature. Et maintenant, et c'est la raison pour laquelle il a bloqué sa mission d'abord, était d'empêcher qu'il y ait unité au sein de l'opposition. Batia Katumbi, décoté. Sa première mission, Fatia Pesaki. Voilà. Yamana Sikoyo, il faut accoter le gouvernement. Alors, Fatia, maintenant, on a interviewé dans Yasuka. Aouti Kosa, on a question de Sakoyo, a pessier passage. Passage. C'est la stratégie en politique. A pessier passage. Fayoulou a récupéré passage Ouana. Je vous avais expliqué. Parce que j'ai dit, bosso, oh voilà, Fayoulou a dit, ma réalité. Oh, Yami Balé, il y aura un remaniement en janvier 2025. Voilà. Fayoulou, il n'y a pas que Poto, à Kozong, à Zongi, à Saliben de Founaï. Et là, c'est qui, Bino, on doit les observer par les faits. C'est la science politique. Il faut observer par les faits. Alors, aïe, à Salima Solo, papa fini, terminé. Voilà. Alors, maman Nicole Lukadi, François Odia, je te salue. C'est vrai, Oya Oloba, que voilà, il n'a pas de député, tout et tout, mais comme ça, Mouta ma personne en bas de député, mais un ministre. Donc, le président fait ce qu'il dit, parce qu'il est dans la logique de la révolution. Pour mener à bon port une révolution, il faut fédérer les forces. Alors, nous voulons déchirer la constitution des étrangers, la constitution des belligérants, la constitution. Oyo, Yamouniato, Yamabe. Yamana Félix Tshisekedi doit fédérer tout le monde. Yamana Fabien Aba Fayoulou, Aben Aba Mouzitu, Aben Aba tout le monde. Aben Aba Mou. Baya, To Kabola, To Pasula, et Lokoyo, Oyamabe, Bachela Gibiso, Yali Babe, Constitution. Voilà. Et chacun va représenter zone naïe, linguistique, ou bien là où il a de l'influence, en tant que voilà. Donc voilà, Fayoulou, Asali Ben et Founaïe, dans toute quiétude, tant que Félix Tshisekedi a tenu ses engagements.
Voilà. Sinon, tu es à la on m'a doigté. On m'a fait ceci. On m'a tiré à ma nini. On m'a doigté. Il y a Fayoulou. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, Nakatia, j'ai suivi son discours. Il a critiqué le régime. C'est un opposant, c'est normal qu'il critique le régime. Mais je n'ai pas vu les mots forts qu'il a toujours utilisés. Alors, il a insulté le président Félix Tshisekedi à Salagamonte. Vous comprenez, mais qu'est-ce que Djomou Kendaïb Sibinobo Canada Talelo Fayoulou sera ministre de Félix Tshisekedi. Bah, on a le premier ministre était. Premier ministre Zara Majou Toulouka. Place à UDPS. Bah, on a le premier ministre Bemba, vice-premier ministre Toulouka. Donc, voilà. Bah, on peut peut-être deux ministères. Naïe. Voilà. C'est un peu ça, Bandeurangaï. C'est la politique. Vous devez comprendre ça dans ce sens-là. Voilà. Alors, zone économique. Zone économique que le président Félix Tshisekedi est en train de construire à Kinshasa. Zone économique. Au Félix Tshisekedi, il y a la vision T. Au Félix Tshisekedi, il y a un leader. Il n'y a pas de leadership. C'est toi qui es aveugle ou carrément bourrique qui tu ne comprends rien de ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui veut créer des emplois pour le Congolais. Mais il faut qu'il y ait des places économiques là où on va installer les entreprises. Et on va faire on va expliquer aux Congolais cette zone économique aura des effets d'entraînement. Évidemment, des effets d'entraînement en sens positif pour le Congolais. Pour expliquer plus en haut les lots. Mais avant tout, le président Félix Tshisekedi est allé dans la zone économique Oyamaluku inaugurer société Pepsi. Pepsi, Oyo, Ibani Moussa na yango na Congo, Bazalara Kala na Congo, Bazongi, Fati Beton, Akei, Babani Kosala, Moussala la Bango, tout Fati Beton qui a inauguré usine à Pepsi. Cérémonie Salemi. De Pepsi à Kinshasa. Rappelez-vous que c'est lui qui a été à la base justement de ces projets. Nous venons de le dire tout à l'heure. Il avait chargé son ministre Julien Kaoundia de pouvoir ramener ces produits internationaux. Aujourd'hui, c'est chose faite avec toutes les facilités du président de la République. Donc pendant qu'il y a une unité, les deux peuvent fonctionner. Sont produits dans les mêmes conditions et avec les mêmes une possibilité bien entendu le président de la République. Le processus a commencé par la tenue concomitamment, tout comme sérieuse, parce qu'à une année. L'usine Pepsi Cola, c'est la cinquième usine, nous insistons, c'est la cinquième usine de ce genre en Afrique. Les précédentes, les autres sont installé voilà. Au Maroc, au Nigeria, en Zambie. Vous avez écouté Pepsi Cola, un nouveau produit. Il y aura produit au Congo, créé au Congo. Bah, ça y est, on a Congo, bah, emploi na Kacha Congo. Alors, nous parlions de la zone économique avec bah, implication là en haut. Alors, zone économique, en fait, c'est simple, hein, c'est une place où on installe dans une ville des entreprises. Alors, na Kinshasa, à Sali. Fruit d'un partenariat entre la République démocratique du Congo et le développeur des plateformes industrielles intégrées ERISE, le projet de construction de la zone économique spéciale Kinmalebo prend peu à peu corps. Après la construction du mur de clôture qui touche à sa fin, c'est la mise en œuvre de 5 km de voirie interne par la firme chinoise CGCD que Nico Nzaou Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure intervient dans le projet en qualité de mission de contrôle et surveillance de travaux, a visité ce mardi 27 août 2024. La zone économique spéciale Kinmalebo est en cours de développement sur 500 hectares, juste au bord du fleuve Congo.
Sous la conduite de ses délégués à pied d'œuvre, le directeur général de la CGT est amené d'un bout à l'autre du projet, en compagnie du responsable pays de Erais, M. Romain Daniel. Les travaux de terrassement exécutés. Donc, voilà, donc on a même créé une route là-bas, Nakatia, zone Wana industrielle, Wana, Kinmalebo. On a construit de route, il y a 5, 6, 7 kilomètres, Nakatia, Wana. Voilà. Vision économique du président Félix Tshisekedi pour la RDC. Voilà. Comme les Belges avaient fait de l'unité pendant la colonisation, pendant l'époque coloniale. Donc, toutes ces entreprises ont été détruites par Mobutu avec la zarianisation, maman dit rien dans le bibien, voilà encore dans le bibien. Et les deux pillages de 91 et 93. Les Belges, quand ils sont venus chez nous, à Kinshasa, ils avaient aussi créé une zone économique à Kinshasa. C'était Limété. Limété, quartier industriel. C'est quand même l'entreprise des Alaki. Ma Belge, 80 ans, là-bas, au Basala, à Kinshasa, zone économique, là-bas, Yangoana. Mobutu, à sa zone économique, Moroté. Joseph Kabila, le Rwanda, à Salaté. Par contre, eux ont détruit. Mobutu, à Banin, ont détruit. Oyo babège basalaki zarianisation avec la zarianisation et puis na ba deux pillages au Salemaki. Objectif ultime c'est quoi? Quel est l'objectif? Quelle est la vision du Félix Tshisekedi? C'est quoi? T'as raison, créer zone économique on a abéné au Moussika. Pourquoi? C'est simple. C'est simple Bandikolala. C'est pour délocaliser les Kinois de la vieille ville de Kinshasa, à la nouvelle ville de Kinshasa, au Bazar Rotonga. En fait, en réalité, le président Félix Tshisekedi est en train de poser les bases. Les bases pour la nouvelle ville de Kinshasa. C'est ça l'objectif. C'est ça les effets d'entraînement qui vont s'en suivre autour de la construction de cette zone économique. Il y a une vision, il y a Félix Tshisekedi. Pour avoir ton entreprise, on est sous la limite, gars. Le gars va placer Moralité. On va sous côté côté. Parce que tout le monde Moussika. Alors Moussika, on va faire une rocade. La rocade qu'on est en train de construire, c'est pour relier la vieille ville de Kinshasa, là où il y a plus de 15 millions d'habitants, qui nous va vendre place Moko, dans 22 communes. Ce que va mener Moussika. Il y a un basali rocade pour que Narakuna dans Moussala. Alors, Félix Tshisekedi est en train de poser les bases. Si il y a, je donne un exemple, si il y a 1000 entreprises, 1000 entreprises dans la zone économique Wana, Bachar dans la zone économique, s'il y a 1000 entreprises là-bas, qui va aller à Gombe? Gombe, Nargesu Gombe. Nargesu ville de Kinshasa, Moutoki, ne connaissez pas ça. Première réflexion. Deuxième réflexion. Si chaque entreprise emploie 2000 travailleurs, ça veut dire que 2000 fois 1000 entreprises, ça nous fait environ 2 millions de travailleurs. Et chaque travailleur représente un chef de famille. Alors, représente une famille, moi. Et dans la famille, il y a papa, maman, maman, papa, c'est le travailleur, maman, il y a peut-être 4, ça nous fait déjà 6 batou dans la famille ou tu as 5 batou. 5 batou, 5 wana fois 2 millions d'emplois. Ça nous fait environ 10 millions d'habitants qu'on va délocaliser. Donc petit à petit, ces habitants-là, ces 10 millions de gens, ces 2 millions de travailleurs avec leurs familles, femmes et enfants, vont choisir de vivre et habiter près de leur lieu de travail. Or, leur lieu de travail, c'est quoi? C'est la zone industrielle au Bazakosala, zone économique Bazakosala. Du coup, on va délocaliser 10 millions de Congolais, de Kinois, dans la nouvelle ville de Kinshasa. D'où l'importance de la rocade. On comprend les visions, Fati? Tu remets ta mot du sous-sous dans l'émission prochaine pour me comprendre bien.
Et Monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kenzo Mukendji. Baba, à la prochaine.